Yo YouTube, j'espère que vous allez bien. Ici Fakri de la team Farchoups. J'espère que vous pétez la forme pour ma part. Nickel. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve au Redwood avec un magnifique Bionix de 2.0, la génération qui vient de sortir. Ça, c'est un bois. Quasiment 800 de statistiques en dégâts. Quasiment. Non, on va pas dire 12 000 parce que je vais pas le monter en PV. Mais que des dégâts. Et là aujourd'hui, je vous montre un petit peu avec quoi on est équipé. D'accord? Et j'ai des petits bonhommes à vous montrer à la base. Ils sont toujours vivants. Je l'espère. Alors ici, nous avons un petit piège. 3x10. Ouais. Ça sort le timing à plein nez, ça. Je peux le sniffer d'ici. Alors je vais me promener un petit peu pour faire des kills, faire un peu de peau, tout ça. Et chercher mon petit timing. Bon, je pense que vous avez deviné. En bas, il y a une petite foule. Bon, à la base, je voulais partir sur du... comment on appelle ça? Du sauteur. Du sauteur. Enfin, le sauteur, c'est... C'est qui ça? C'est... Alors, on va pas s'emmerder, on va aller voir un petit peu comment il s'appelle. Le Caprosocus. Je voulais trouver un 300 et quelques. Bon, 400, ça aurait été parfait, mais... Level max. Mais, avant... Terror Bird, level 342.5. Mais ma foi, c'est délicieux ça. Bon, c'est pas le Capro que j'ai. C'est pas celui que j'avais vu tout à l'heure. Écoutez, ça fait mon affaire. Il y en a deux, du coup, je pense. Si je peux avoir un couple ici maintenant, ce serait parfait. Bon, avant tout cela, j'espère au moins du fond du cœur que vous pétez la forme. On va se faire le piège un petit peu plus haut. Parce qu'on va le faire monter par cette petite colline. Qui est ma foi assez sympathique, et on va essayer de se faire le piège par ici. On me suit pas? Ok, nickel. Et je pense que bien souvent, enfin souvent, non, pas souvent, on va pas dire ça comme ça, on va dire plutôt d'ici là, bientôt, je vais commencer à mettre à faire des streams sur Twitch. Ma chaîne Twitch est dans la description. N'hésitez pas à les voir, il y aura des vidéos, il y aura plutôt des lives en direct que je vais mettre. Ça pourrait être vraiment cool de faire ça. Hop. Après, ben... Au cas où il s'envole, parce qu'il a des ailes, le petit. Hein. Voilà. Je pense pas avoir assez. Ouais, je pas assez. Mais, c'est pas grave. Parce que nous... Bon, je pense que ça tient. Hein. On va pas se casser la tête. On va ramener le petit. Bah, Yonix, il reste quoi, c'est pas grave. De toute façon, j'ai de quoi l'endormir en 2-3 mouvements. Bon, ce qui pourrait me causer des dommages assez conséquents, c'est le Capro. Ouais. Parce que, en fait, non, j'ai une bonne armure quand même. Je fais confiance à mon armure, moi. Oh, il y en a pas mal ici, du moins. C'est qu'il y en a pas mal ici. Au pire, on pourrait l'endormir ici, je me dis. Hein. Capro. En vrai. Pas trop se casser la tête, hein. Faut faire un peu le ménage. En vrai, je pense qu'on va partir sur ça. On va juste vérifier qu'on ne tue pas le bon. Parce que ça va être trop chiant de le ramener. Mais je suis quasi sûr qu'il n'y en a pas qu'un level 300. Parce que j'ai pas vu de blanc tout à l'heure quand je suis venu ici. Qu'il y avait un level 300 et quelques. 300 et plus. 45, et toi tu viens ici que je te fasse la peau. Non, là. Attends, je tape un petit croc là. Hop. Ah voilà, ici un 300. Attends, on va essayer de l'emmener. Ici, vous voyez, on a un 3. Oh, je vais essayer de faire rentrer les 3 et voir un petit peu. Ça, on peut voir un couple. Ça serait juste 240. 240, t'as vu? T'as vu, tu as un 240? Tu m'as fait un peu en bas de buter. Eh oui, c'est la règle de la jungle. Bon, le Capro, je suis désolé pour toi, mais t'as aucun rapport avec mon timing. Alors, si, oh, on a vraiment un marron un peu, on va essayer. Le blanc était vraiment magnifique. J'espère qu'il était vraiment blanc ou sinon ça avait bugué un petit peu le graphique. Enfin, je ne sais pas. On va essayer d'attirer en tout cas. Et de le faire monter là-haut. Et on verra ensuite là-haut. Et le Bionix, c'est une créature juste magnifique, les amis. Il se régène instant en mangeant du poisson. C'est pas beau, ça? Oui, c'est beau. C'est magnifique. C'est de toute beauté. Bon, on rentre ici. Bon, c'était prévu. C'était prévu. Bon, ce qui était prévu aussi, c'est que nous puissions ressortir. Et oui. Et le poulet dehors? Non. Alors toi, Chico. Ah oui. Alors là, j'avais pas prévu ça du tout.
Mais elle en a du tout. Hop. Passif. Ok, on va partir sur ça. Ah ouais, c'est galère ça. C'est galère, c'est galère, c'est galère. Mais en fait, c'était pas prévu au programme. Mais c'est pas grave. On va essayer de le capturer comme ça. Comme on peut, parce que là, c'est pas normal. Il passe à travers les portes. C'est comme un raptor un peu. Bon. On va se mettre à la première personne. Et dis-moi que tu restes là-haut, le poulet, hein, s'il te plaît. Hein. Dis-moi que c'était juste un bug. Mais en fait, tu es le blanc, toi. Mais tu es le poulet blanc. Oh. Ah, j'avais l'impression que c'était un noir. Et il fait pas beau en plus. C'est qu'il fait pas beau. J'espère qu'il a pas beaucoup. Oh, il est beau lui aussi. Noir et jaune comme ça, j'adore. Bon, oh, les gars. Oh, j'y vois rien là. Je sais pas, j'ai tapé le mauvais. Il va bientôt partir lui, de toute façon. Voilà. Et le plus résistant, il va rester. Il va falloir qu'on revoie notre piège parce que là, c'est. Ouais. Ça reste à voir. Hein. Vous savez quoi? On va essayer de se mettre sur lui là. Attends. Attends, attends, attends. Patientez, les gars, patientez. Hop, 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 attendez. Attendez, attendez, j'arrive, j'arrive. J'arrive. Alors, qui est-ce? Toi. C'est bien toi. Alors, mais ici. Bon, oh. J'arrête de me pousser un peu. En plus, il y en a un troisième qui se rajoute à la fête. Mais c'est magnifique. Oh, le gros là, quand je sors la torche. Voilà. Et là. Voilà. Et c'est bien lui. Oh, tu peux me taper là. Fais-toi plaisir. Attends. Non, mais sérieusement. Sérieusement. Yo. Hop. L'enflure. Et là, il va falloir l'endormir assez rapidement. Et je sais que la torpeur de JT Robert descend très vite. Très vite. Très vite, très vite, très vite. J'avais l'impression d'être sur le bord. J'ai l'impression d'être sur le bord. Il s'est barré. Il s'est barré loin. Très loin. Mais attendez. Tu m'emmerdes, toi. Non, mais oh. Sérieusement, mais je m'en fous complètement de ta vie, toi. Ok, torche. Sors la torche vite. Et allons chercher l'autre. J'imagine qu'il marchait loin, là. Je peux même pas le repérer. Ah, c'est con, ça. Ah, j'espère qu'il dort, hein. Ah, ouais. Et dis-moi que c'est là. Dis-moi que c'est là dans la flèche, s'il te plaît. Oh, oui. Enfin, les amis, il dort. Oui. On peut. Qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que cette météo, les amis? Ma torche. Là. Qu'est-ce que c'est que cette météo? J'imagine que c'est un admin. Bon, la torpeur commence déjà à descendre en vitesse. Assez. Ah oui, il est magnifique. Il est magnifique, blanc comme ça. Bon, Ah oui, voilà. Je vais jeter un coup d'œil en bas. Vous savez quoi? On va se vider un peu. Je me sens un peu lourd. J'aime pas être lourd. Pour des raisons de précaution pour la vitesse, pour foncer à toute vitesse. Bon, oui, vitesse, vitesse plusieurs fois, ça fait chiant. Bon, on va essayer de voir un petit peu s'il y a autre chose d'intéressant dans ces marées qui sont, ma foi, assez intéressantes. Et je vous montre une créature que j'ai envie de tamer dans un épisode que. Bon, oui, c'est un gros spoiler, mais. Une créature que j'ai jamais tamée, mais qui me tape vraiment de l'œil. Parce que là, une utilité assez spéciale. J'espère la retrouver ici dans ces marées. Dans ces marées-là. Et franchement, si j'arrive à trouver un autre T-Robert de sexe opposé, ça pourrait être magnifique. Le voici. C'est ça. C'est ce truc-là. Oh, non. C'est quoi ce beans là? Ah non, mais c'est chiant ça. Attends, si je le frappe. Je vais pas sortir un trou là? Non, peut-être que je tue. Oh, je sais pas. Tiens, 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 tous les capros qu'il y a ici. 150, c'est bien. Tu n'en as pas un level 300 par hasard? Non. Bon, on va se promener un peu. On va bouffer un peu de poisson pour se régénérer au passage. Voilà, un petit casse-croûte là. Oh. Et puis zut là. Neutre. Et on les kill. Voilà. Voilà. Fais un peu le ménage. Écoutez, il faut bien faire 450. Voilà. Level max. On verra. Je suis en train d'essayer de l'endormir en level 450. J'espère qu'il dormira. Parce que level 450, c'est level max dans ce serveur. Et si j'ai un peu.
Un sale poulet level 450. Ben là, je suis carrément refait. Oui, carrément refait. Ouais. Oui, je suis refait. Mais il faut l'endormir d'abord. Et à ce que je vois, pas beaucoup de PV. Il m'attaque toujours. Il m'attaque toujours. J'espère que la torpeur va faire effet. Et on va croiser les doigts. Hein. Écoutez, on va croiser les doigts. Et l'autre, il est en train de me de m'arracher là. Ça commence à faire mal. Bon, il a encore 500 PV. Je peux lui mettre encore 3-4 flèches. Non, l'autre, on s'en fout. J'ai envie de dire la l'arbalète, mais lui mettre 200 de dégâts d'un coup, ça pourrait être pas un très bon plan. Yo yo yo. Bon, il faut que je l'ai en visuel. Non mais oh. Hop, attention, 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 attention. Bouge pas trop. Bouge pas trop, respire. Respire. Tu as un sale poulet, toi, tu es une dinde en fait. Hein. Attends. Non, là, tu as vu, tu bouges pas, tu es parfait. Et ça fait nos affaires à tous les deux, tu vois. Non, on recule le Mario. Baryonyx. T'as vu, tu es ma créature préférée. Mais fais pas. Voilà. Fais pas nos mouilles, s'il te plaît. Voilà. Dors, tes paupières font lourdes. Très lourdes, allez. En fait, je me dis que si on n'endort pas lui, on peut endormir un autre, tout simplement. Parce qu'il y en a tellement ici dans les parages que. Il y en a forcément un qui va spawn. Au bout d'un moment. Mais lui, il est beau, lui, tu as vu. J'aimerais bien l'endormir. Alors, il est l'heure de chercher un peu de prime. Et si on a un sac à primer, t'as donné à notre petit. Comment dire? Un autre Terror Bird. Et malheureusement, le 450 n'a pas survécu. Mais c'est pas grave, les amis. Du moment où on en a un. Et là, je suis en train de sortir des Baryonyx, les amis, de compétition. Je vous dis, les machins vont taper à du 400, 500 très facilement. Et pas que. Je voulais vous dire un truc, les amis, qui me tient un petit peu à cœur. Je pense que le jeu Ark mobile, genre sur mobile, il a été abandonné pour par les développeurs parce que les gars, ils pourraient au moins mettre les dégâts qui s'affichent ou, je sais pas, faire des modifs. Il n'y a pas de mise à jour, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien, le jeu a été abandonné comme ça. Enfin, en tout cas, moi, je vois pas de changement, ni rien. C'est un peu dommage qu'on voit pas les dégâts, mais bon, on va se contenter de jouer, hein? C'est déjà très bien. Bon, il prend combien de pourcentage? 17. Je pense qu'il va se lever. Mais ils vont magnifiques. Après, je comprends pas ce mélange de poules noires et de poules blanches à l'arrière, mais ils vont magnifiques le haut. Hein. J'aime trop. Sinon, il a, ma foi, des belles stats. Mais c'est sa couleur. Mais là, en fait, je le vois pas aussi beau. Hein. Et là. Bon, bref. On va le ramener à la maison. On va le tester. Et. On analysera après. Ouais, après, je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a à voir. Les amis, nous sommes arrivés chez nous. Il est l'heure de voir un petit peu les engrammes. Et se taper ce petit oiseau de terreur là. Et voir un petit peu de la saddle. Combien coûte-t-elle? Level 33. Retenez bien. C'est le moment de sortir son petit agenda et de noter. D'accord? Alors, notez bien. Déjà. Ça se fait là, hop, hop, ressources, bim, bam, boum. Et sinon, je voulais vous montrer, oh no surprise. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, hop. Ceci, ça, il faut que je me vide un peu d'ailleurs, je suis un peu trop surchargé. Les amis, attention les yeux. Un petit bébé griffon. C'est juste magnifique, waouh, tout ce que vous voulez, c'est nice. C'est mon premier bébé griffon de toute ma vie de Ark. C'est un bébé, ma foi, assez sympathique. Très très beau. Il est magnifique. Splendide. Bon, certes, le level, c'est pas les levels que j'aime, moi. Mais rappelez-vous, ce n'est que pour de la repro. Oui. Et regardez-moi ça. Une information cruciale. Une information. Sortez votre petit agenda. Notez. Les bébés. Oui, j'attends que vous écriviez. Oui. Les bébés ressortent avec les mêmes trois. Avec les trois dernières lettres que les parents. Alors, si tu veux plus de bébés, enfin plus d'œufs, plus rapidement, fais de l'incubation. Oui, c'est 5 heures, mais pas plus que à peu près 10 heures d'attente à chaque œuf. Hein. Et en sachant que tu peux retrouver des femelles comme des mâles, moi c'est d'elles pour ma part, vous, je ne sais pas. À vous de le découvrir
Et rappelez-vous, ce n'est que des reproducteurs. Et j'ai encore un petit peu de stock. J'ai encore 4 œufs. Ouais. En sachant que j'en ai perdu un, j'en sais comment, mais bon. Bref, ça se peut, je l'ai pas ramassé. Et autre chose. Eh oui, il faut jamais, jamais le séparer de sa mère. Ok? Et la nourriture, il monte très très lentement. Alors, les amis, sinon, ben, j'ai ce magnifique bébé gigalon. Bon, attention. Il n'est pas orange de base, je l'ai colorié et je compte bien l'imprint au maximum que je peux. Et je compte en faire une machine de guerre avec 500 points de dégâts de base sans le E. Bon, je l'ai coloré en orange perso parce que j'ai un rouge et je me dis que ça pourrait être assez sympa avec le ventre blanc. Et sinon, ben, j'ai mon petit rouge assez monstrueux qui s'appelle d'ailleurs Monstré. Non, 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 non. Non. D'ailleurs, si vous avez des petits noms assez sympathiques, n'hésitez pas. Voilà. Bon, écoutez, je l'appelle comme prévu, hein. Sinon, ben, non. Notre maison a bien avancé. Je commence à avoir des mutations assez sympas. Bon, c'est pas la plus belle que j'ai, mais regardez celui-là. Il a le ventre vraiment un marron très foncé. Et des rayures blanches et vertes. Bon, après, il y en a qui sont plus sortis, plus beaux que lui. Sinon, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Avant ça, on va tester quand même. Non, vous savez quoi, on va tester ça à la fin. J'ai envie d'abord de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai à vous montrer de la base. Qui a énormément avancé. Je vous donne un point de vue intérieur d'abord. Bon, en bas, vous connaissez comme d'hab. Mais l'étage, attention, qui a bien évolué. Enfin, pas fini, mais bon. Ici, tourelle, petite terrasse, on va dire. Tu rentres. Ici, je comptais faire une pièce avec quelques piliers. Ça pourrait être sympa. Ici aussi, je compte en faire une. Des quatre coins de la maison à l'étage. Bon, après la forge, le générateur, petit escalier. Bon, c'est encore vide. Hop, c'est là où ça va se jouer. J'ai ça. Attention. J'ai essayé de faire un peu forme château. Parce que là, en fait, tu rentres, t'as une tourelle. T'as de quoi monter. Hop. Tu casses ça, tu montes, tu as une lampe comme un phare et t'en as 4 des tours comme celle-ci qui sont ma foi assez sympathiques. Bon, c'est une visite très très rapide parce qu'elle n'est pas terminée. Bon, c'est un peu dommage. Et sinon, l'autre structure, je vous la montrerai à la prochaine vidéo. Bon, tu me laisses passer toi? Non mais il y a de quoi halluciner là. Il est où mon Bionix? C'est toi. Garde tout ça avec toi. Moi, je vais aller faire un tour avec. Et là, pour le volant immense, qu'on pourrait faire des sacrés. Bon, les gars, j'ai compris, vous voulez pas me laisser passer. Alors, au niveau de la poule. Qu'est-ce. Ouh, c'est rapide. Alors, ça, tu mets tout full vitesse. Attends, ça passe, il passe là. Ah ouais, il va falloir faire attention. Oh oui, c'est trop kiffant ça. Avec. Oh, du volcan et une plateforme que je mettrai dans les arbres. Oh, prochain défi à faire avec des abonnés ou quoi que ce soit. Toi, je pense qu'on va partir un peu sur les PV quand même. 5000 de PV, ce serait pas mal pour commencer. Si on pouvait faire de la repro avec ça, ça pourrait être sympathique. Oh, je me suis dit, ce serait mon petit chéri, ça. Mais non. Hey. Peux relever? Où est-il? Oh, c'est vraiment des sales bêtes. Bon. C'est notre chance de tester. Oh, laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Non mais, en fait, je vais juste monter sur ma monture. Le poulet, passif, et stop. Merci. Ok. On va pouvoir tester un peu le poulet qui prend pas mal de dégâts quand même. Hein. Bon, il frappe pas si vite. Hein. Et ma foi, c'est assez fort, il faut le dire. Il met ses petits punchs à lui. Écoutez, c'est ma foi, c'est sympathique, c'est bien fort. C'est très très cool. On va aller. Vous imaginez avec une armée de ça? Oh, un jour, je devrais sortir mon armée de Allosaur qui est en train de se préparer. Oh les gars, oh combat aérien, regardez-moi ça. Je suis en train de les tabasser alors que je suis en train de. Attends. On va refaire le move. On va refaire. Attends, non, pose-toi, Billy. Hop. Et là, les gars, on va les tabasser en volant. C'est trop cool. Cette créature, les amis, elle est trop, trop stylée. Je kiffe. Envolons-nous. Allez. Ça fait trop poule de préhistoire. Mais en vrai, en fait, si, c'est de la préhistoire, mais genre encore plus ancienne, tu vois.
Y a pas moyen d'accélérer. Oh, si je lâche, je tombe. Alors que si je maintiens pour avoir de la stam. Ah ouais. Ah ouais. Ah, il peut même croquer. Oh, on a quasiment traversé la rivière. Hein. Elle est juste utile. Rien d'autre à dire. Il n'y a rien à dire sur sa poule. Elle est magnifique à CHL. Et on a pu voir un petit peu le griffon bébé que j'ai commencé à faire. Et mon bébé Gigano. Ça, c'est cool. Petite visite assez rapidos de la maison. Petit timing. Écoutez, je pense qu'on a une vidéo assez complète. C'est cool. On a eu quelques petites informations sur des griffons. Je pense que je vous ferai tout savoir sur griffon dès que j'aurai mon griffon parfait. Alors, les amis. D'ici, je suis bien. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Mais vol! Il faut que j'avance, d'accord. Voilà. On va essayer. Non, là, ce serait. Quoique, ça joue, hein. Non, ça se tente, ça s'est tenté. Vol. Vol.